Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. You're missing. I will keep you warm as soon as you remove that snow. T'as pensé quoi du magasin? C'était bien. C'est un des plus beaux magasins qu'on ait fait, hein, en termes de déco à La Réunion. On a eu le sapin, c'est le plus important. On a craqué pour certaines choses. Donc Monsieur Doudou a dit non, mais moi cette année, je veux aucune déco de Noël. J'achète rien. Finalement, son cœur était tendre. J'achetais à Bali. Oui, il achète un balai. Et là, c'est le deuxième truc où shoot, t'achètes un balai. La dernière fois, c'est celui de Conforama. J'adore les balais. Bon, en tout cas, j'ai hâte de vous. Oui ? Et ce sera pour ton cadeau de Noël. Ah, voilà, bah écoutez, j'ai vu mon cadeau de Noël. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. Love I live, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you. Donc ça, c'est les achats qu'on a fait avec Monsieur Doudou, sachant qu'il voulait rien acheter pour les fêtes. Alors le jour où il veut acheter des choses, je sais pas ce que ça va donner. Je vous montre un peu d'ici les fascistes. En fait, on veut faire un, je sais pas trop comment ça s'appelle, genre comme une balançoire un peu ici, où on pourra mettre de la lumière, des bougies, enfin une composition que Monsieur Doudou a eu l'idée de faire. Regardez pas là, c'est encore en travaux, ici c'est pas encore branché, mais voilà. Et en fait la cheminée elle est ici, donc voilà, c'est ça qu'on va faire, quelque chose à suspendre juste ici, et on devrait avoir le sapin là, près de la cheminée cette année, donc voilà. Donc voilà en termes de matériel ce qu'on a pris, donc la fameuse petite balancelle en bois. On a pris un ange de Noël parce que nous on est vraiment fan de ce genre de choses. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je préfère moi par exemple sur le sapin mettre un ange de Noël plutôt qu'une étoile. Mais bon, vu que là on en aura déjà un, je sais pas ce qu'il en sera du sapin. On a des pistolets à colle, donc il nous reste des petits trucs de colle à l'intérieur. Heureusement parce qu'on a oublié d'en racheter. On a pris des plantes comme ça, donc ça c'est imitation eucalyptus. Super long comme vous voyez, je crois que c'est 19 euros aussi, et celui-là 7,65 euros, qui est super joli. Donc voilà un peu ce qu'on a acheté. Il y a aussi des lumières, je vous montre ça. Donc Monsieur Doudou voulait ce genre de lumière, il a craqué, c'est des lumières avec un effet corde, vous voyez, et puis c'est à pied, donc c'était beaucoup plus pratique vu que ça va être quelque chose de pendillé. Et il a pris aussi les toutes petites comme ça, pareil, à pile, les toutes petites LED qu'on peut cacher aisément dans pas mal de choses. Donc voilà, il va nous manquer des bougies. On voulait mettre des bougies, vous savez, à télécommande. On en avait, mais j'ai aucune idée d'où elles sont. Je vais regarder ça si je les retrouve. Mais on devrait être pas mal bien là avec ce matériel-là. Bon, c'est Monsieur Doudou qui nous fait le tuto aujourd'hui. Moi, je suis assistante et spectatrice parce que c'est lui qui a eu toute cette idée. C'est fou, je m'attendais pas à ce qu'il ait une idée aussi créative. Non pas que je doute de lui. Si. Non, pas du tout. Mais c'est juste que t'es pas trop dans le mood de Noël, je trouve, cette année, quand t'avais pas l'air. Et là, tu t'es laissé un peu emballer, ou t'as voulu me faire plaisir, je sais pas. À toi de dire. Ni l'un ni l'autre. Voilà. Super. Mais pourquoi tu le mets tout de suite? Bah parce que je le mets tout de suite, comme ça on va commencer en hauteur. Oui, mais après tu reposes. Mais après, faut le mettre et on pose tout en haut. Ben non, parce qu'il faut fixer les plantes. Bah on le fixe en haut. Mais non, on va pas travailler de la colle chaude en hauteur. Bah et si, pourquoi pas? Parce que c'est... tu vois, là tout le monde voit comment tu me parles. Mais tu parles comme ça. T'es grave. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dangereux d'utiliser de la colle chaude en hauteur parce que ça peut tomber en bas sur le parquet. Voilà, regarde. Mais tu vas voir. Là, tiens, tu pourras pas voir comment les plantes vont donner. Si tu poses à tête, tu vas... Et donc tu me laisses tout installer là comme ça, comme une couillonne, et tu me dis rien. Bah c'était logique. Bah mais tu voulais pas que je t'ai porté? Bah non, c'est parce que je n'ai pas trop compris, mais bon, enfin. Peut-être que t'es pas réel, tu voulais pas toi. Oh. Voilà. Et fâché, je vous reprends tout de suite.
en bas, c'est ça? Ou en haut? En haut, ouais. En haut, c'est beaucoup plus beau. Ouais, en haut, c'est plus chiant, ouais. Surtout qu'il faut qu'on cache. Tu peux montrer le petit truc de pile? Faut que les fascistes voient comment c'est. Ouais, un petit truc de pile comme... Non, on va se mettre ta tête devant. Ouais, ok. Donc voilà. C'est pas mal du tout. Il s'en sort pas mal. Well, I'm all for Christmas. It's a magical time full of kisses. Les fascistes, ça commence à ressembler à quelque chose de beau. Bon, on voit encore le fil et je pense qu'on le verra toujours, malheureusement. Mais franchement, c'est pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais j'ai trouvé que Monsieur Doudou avait une bonne idée. Donc, vous imaginez un peu, je vous donne, comme je vous ai dit, des petits aperçus. En fait, le sapin va être là. Donc, avec la cheminée et tout. J'ai l'impression que c'est pas mal, cette histoire. Open your mind.